Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Subnautica. Alors, on est toujours en version expérimentale, hein, pas de soucis sur ça, j'ai pas changé, c'est toujours ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est vrai qu'il peut chercher des trucs lui. Des débris, des fragments, des caps de sulfure. Ah, carrément. Voilà, voilà. La map est quand même vachement grande. Hein. Voilà. Ok. Donc, on va aller se sustenter un peu. Parce que bah c'est pas le tout, mais il faut manger. Hein. Faut manger. Voilà. Hop. Ok, inventaire plein. Ah oui, j'ai plein de... Voilà, on va aller virer les débris. Pourquoi je bourre le E? Je sais pas. L'habitude. Ok. Ah. C'est... Ah si, voilà. Je savais bien que c'était ici. Voilà, du titane. De toute façon, le titane, c'est toujours pratique. Voilà. Je sais plus dans quoi je l'ai mis. Je crois que c'était là. Non, c'était pas là. C'était pas là. Ah bah, c'était là. Voilà. Et le sel, c'était en haut. Dans quelle armoire non, apparemment c'était pas celle-là. Pas celle-là. Là. Ah bah là. Non, ça c'est les champignons. Ah bah celle. Voilà. Voilà, on s'y retrouve. On s'y retrouve, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas joué au jeu en fait. Donc là, la dernière fois, j'ai refait une petite session et tout, mais. Mais il faut s'y remettre, hein. Il faut se remettre dans le bain, il faut. Voilà. Ok, alors, du coup, apparemment, il y a un message radio, écoutons ça. D'accord. Je crois que je l'avais déjà trouvé, Spud. D'accord. Donc, il y aurait un... Datapad. Localisation de l'installation extraterrestre. Oui, eh bien. Ah oui. Ah. D'accord, mais ça ne dit pas où est le... C'est la centrale thermique, donc non. Alors, est-ce que je n'avais pas déjà ce signal radio? Où est-ce que j'avais mis les signaux? LivePod 12. Capsule de survie 3. Capsule de survie 6. 2.
Origine de l'impulsion d'énergie. Capsule 17, capsule 7, capsule 13, capsule 4. Non, j'ai pas les coordonnées. C'est bizarre, pourquoi il me donne pas les coordonnées? Normalement, il devrait me les donner dans un petit signal comme celui-ci, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ouh, réservoir très haute capacité. Ouh, ils ont changé les icônes et elles sont vachement classe. J'avais pas vraiment fait gaffe à ça. Enfin, si, j'en avais vu pour certaines, mais pas pour toutes. Et du coup, elles sont vachement classe. Hop. Hop, on récupère tout ça. On va stocker. On peut. Ok. Équipement. Ah ben il reste de la place. Voilà, on va mettre ça là en attendant. Voilà, on va juste garder les petites piles. Ah c'est vrai qu'ici il y avait mon slide. Et ça c'est la combi anti-rad. Et ça c'est les kits de survie. Oh mais c'était la nuit. C'était la nuit. Ok, donc du coup le LifePod 12 là, on sait pas où il est. C'est intéressant. Ah si, capsule de survie. 12. Sombré à plus de 250 mètres. Ok, alors on va faire. Hop. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plein d'eau dans mon... Hein? Il y a un bug là. Ok, je dois avoir un gros bug. Alors violent, hein, parce que... Je suis meuf. Voilà. Et donc on va aller se voir cette capsule de survie, voilà. Des cailloux. Oui, c'est bizarre pour le coup là. Le bug est bizarre. Je crois que j'avais déjà trouvé cette capsule de survie, hein. Punaise, la vache, ils sont tellement gros, on pourrait presque faire une maison dessus. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme... Ça doit être le truc électrique, je crois. Je crois que je l'avais déjà trouvé la capsule 12. Oh, il y a des chances, il y a des chances. De toute façon, on avait quasiment tout trouvé dans ces coins-là. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a eu des nouveaux... Oui. Ouh, un puits à chaleur. Faites attention. Ça, c'est bien pour de l'énergie, quand on construit une base. Des gros blocs de titane, des gros requins avec plein de dents. Et la capsule numéro 12. Wow. Ah oui, dis donc. Elle n'est pas tombée au meilleur endroit, hein. Ok. Aïe. Je m'ai cogné. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Des poissons.
Et un PDA abandonné. Capsule de survie 12. Journal de bord de l'officier médical Danby. Eh ben Danby. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh. Ah non, c'est le poisson qu'on peut prendre. Je croyais que c'était ce truc-là. J'allais dire cool. De l'énergie. Ah oh. Qu'est-ce que je mets à électrocuter là? C'est toi qui m'as électrocuté. Oh la vache. Tu sais, moi aussi j'électrocute. Alors fais gaffe, gars. Bon. C'est pas le tout. Donc du coup, on la se met. Non. Elles sont toujours là. Par contre, j'ai vu un truc qui dépassait ici. Donc ça, ça doit être un œuf de créature. Voilà, on va aller chercher les œufs. Hein. Hop. Hop. Je lui ai piqué son œuf. Ok, ici ça pourrait être sympa pour une base. Il y a pas mal de puits de chaleur, donc pour l'énergie, ça fait vraiment de l'énergie propre pour le coup. Ah. Une épave. Ow. Ah ouais, mais ils s'en foutent en fait de du coup de jus là. Bon, ben on va se barrer. Avant que le vaisseau soit complètement détruit. Ça a plus l'air de leur faire grand chose l'électricité là. Avant ça leur faisait super mal. Ah bah si, voilà. Ok, parce que là. Oh la vache! J'ai plus le... Zut. Zut, zut, zut. C'est quoi ça? C'est le putain laser ou c'est le... Ah zut, j'ai perdu le CMOS. Mais où il est? Le baroudeur. Reviens ici, baroudeur. Voilà. Ah, parce qu'ils m'ont salement abîmé. Donc il faut qu'on le remette en état. Ah zut. Bien fait de prendre des épis. Ah. Non mais, sale bête. Au fait, alors, qu'est-ce que ça disait, cette chose? Données téléchargées, survivant de l'Aurora. Je ne suis pas vraiment un docteur, je sais que c'est ma carte qui dit, mais je n'en... Voilà, tu te calmes maintenant. On va remonter à la surface pour un peu d'énergie. Parce que si je me rappelle bien, j'ai le truc de panneau solaire avec celui-là. Voilà. Alors. Donc, je ne suis pas vraiment un docteur. Je sais que ce n'est pas...
Que c'est ce que ma carte dit, mais je n'en ai jamais été un. Tricher aux examens de médecine, pourquoi un médecin aurait-il besoin de savoir comment remettre les os en place manuellement de nos jours? À quand date la dernière fois qu'un chirurgien a réellement coupé quelqu'un? C'est pour ça qu'existent les robots. Les docteurs d'aujourd'hui lisent des diagnostics sur des écrans d'ordinateur. Pour ça, je suis parfaitement qualifié. Mais à quoi ça sert sans connexion au réseau principal? Je saigne, j'ai des pustules vertes qui poussent sur mes mains. J'ai fait une auto-analyse et ça me dit que j'ai une irritation de la peau. La seule chose que j'ai étudiée en école de médecine était le mensonge convaincant. À quel moment je suis censé savoir comment traiter une maladie extraterrestre? Je pense que je vais mourir ici. D'accord, donc en effet, il y a des chances que tu meurs ici. Donc il a contracté la fameuse maladie. Par contre, du coup, maintenant, il arrête plus de briller le truc. C'est bon, je l'ai trouvé, le pote 12 ans, mon gars. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, hein, pratique les panneaux solaires. Hein. Du coup, on va retourner à la base. Ah, il y en a un autre ici, pas encore. Le numéro 6, mais je crois que je l'avais trouvé le 6. Me semble que je l'avais déjà trouvé le 6. On va voir. Il y a un PDA là. Ah bah non. Apparemment, je l'avais pas trouvé. Ça m'étonne ça. Ah bah non. Je devais pas l'avoir trouvé, donc c'est qu'il doit être nouveau, peut-être. 6. Ok. Pro. Skill team. Ouais, ok. Si je pense que j'avais déjà dû le faire. Peut-être pas, remarqué. Pas grave. Mais pas grave. Du coup, maintenant, on l'a trouvé. Alors, hop. Voilà. Du coup, on va traîner un petit peu, gentiment, dans le coin. Voilà, barrez-vous. Ça c'est pareil, on avait déjà scanné cet endroit-là, je pense. Ouais, ça c'est juste des bouts de titane. Par où, la base? La base, par là. Par là, dans cette direction. Bah oui, mon gars, ça pique un peu, hein. Bah alors? Non, ça c'est juste une porte. Non, ok, il n'y a rien ici. Tididi. Ok, bah nous revoilà déjà à la base. Alors, c'était... Ouais, c'était tout proche de la base en plus, ce truc. Ça devait être quelque part par là, voilà. Il me semblait bien avoir vu des nouvelles pièces et tout un tas de nouveaux trucs. Donc on va aller voir si on peut scanner tout ça. Fragment de balise.
T'es gentil. Sur une planète aquatique, je fais comment pour varier mes activités? Fragments de gravisphère. Voilà. On a survécu pendant plus d'une semaine, c'est ça? J'ai pas bien compris le truc. C'est pas grave, on regardera. C'est tout? Y a plus rien d'autre dans le coin? Non? Ça y est, c'est bon. On a tout crevé. Normal, d'accord. Ok. Un peu d'air, ça fait toujours du bien. Donc, on a trouvé des nouvelles pièces, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que tout ça, je les avais déjà normalement. La gravisphère et. Ce qu'on n'a encore pas fait, c'est ça et ça. Qui est le câblage. Ah, c'est sympa! Ouais, ils ont vraiment bien arrangé ça. Donc les trucs qu'on peut faire cuire. Les trucs crus. Enfin, à sécher. Les combis, donc le distill, la plongée renforcée. Le recycleur. Tablette outil violette. Enfin, la tablette violette. Scanner constructeur. Tatatam. 0 sur 3. Ah ben non, la balise et la gravisphère, il faut que je les rescanne. Oh, starnac! Oh, starnac, les gars! Amélioration de portée pour la salle de scanner. Je crois que j'en avais fait, ça. Amélioration de sonar pour cyclope. Générateur de bouclier du cyclope. Oh! Oh oh! Amélioration du lanceur de leurre du cyclope. Oh, mais il y a tout un tas de choses qui vont nous intéresser là. Donc ça déjà. Il faut que je trouve le sonar et le générateur de bouclier. Ok. Ça va être intéressant. Donc, on fait un rentrage maison. Voilà. Donc je comprends pas ce bug. Hein. Ah, et le pire c'est qu'entre deux, vous voyez, il n'y a pas d'eau. C'est bizarre. Le jeu a dû bugger mais violemment quoi. Là c'est pareil, après vous arrivez ici, il n'y a plus d'eau quoi. C'est la violence quoi. Non, c'est. Oui. Non, c'est là, c'est la violence là. Du coup, ah oui, faut que je mange. Manger. Manger. Ouch. Ok, donc. Ah. Pot de fleurs. Voilà. Hop. Alors. Ah. Voilà. Comme ça, on replante un peu. Ah.
Nickel. Et cela. Eh ben, on va se les taper. Voilà. Hop là. Alors. Donc ça. Hop là. Et déposer. Hop là. Voilà, merci. On verra bien ce que c'est. Je pense que ça doit être une anguille électrique. Ça va être sympa. Là-dedans, bah, on a tout ce qu'il faut. Hein. Hop, on va peut-être du coup jeter celui-là ici. Hop là. Ou alors je l'ai mangé comme un idiot. Non, je pense que je l'ai mis dans le. Voilà. Ici. Le dessert. Parfait. Et du coup. Donc, j'ai des nouveaux schémas à trouver, mais j'ai ça. Donc, il me faut du kit de câblage et du fil de cuivre. D'accord. Et ça. Il me faut du cristal d'oxyde d'aluminium et des lingots de plâtre d'acier. D'accord, bah on va se faire ça dans le prochain épisode et puis on ira en équiper le. Par contre, ce bug m'épate. C'est la folie. Voilà, c'est peut-être ici que ça se fabrique, non? Ah, mais non, à tous les coups, ça va être à bord même du cyclope dans le fabricateur qui est installé dans le cyclope en fait. Du coup, ça nous disait quoi? Lingot de plâtre d'acier. Alors ce qui serait bien c'est que en fait je trouve pour une question pratique ça serait bien c'est que quand on a de l'équipement dans la base comme ça et qu'on est dans la base on y a accès sans aller les chercher quoi. En gros, qu'on sache combien on en a, et à la limite même les utiliser le fabricateur en direct, quoi. Parce que là, donc il nous faudra donc fil de cuivre, kit de câblage. Donc là-dedans, on a du fil de cuivre, kit de câblage. Je sais pas si j'en ai encore, et si j'en ai encore, je sais pas où c'est. Donc je vais chercher tout ça entre deux épisodes, et puis dans le prochain épisode, eh bien, on fabriquera ces nouveaux appareils pour le Cyclope. Voilà, donc eh bien, vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître, n'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur Subnautica.